Censées pomper les égouts, elles sont en panne, donc la salle elle pue et on doit, enfin ça va prendre environ 30 minutes voire plus pour nettoyer et aérer la salle. Donc on va commencer. Ouais, on va commencer la scène d'ouverture ici, genre devant. Tu peux répéter ce que tu as dit? Vous n'avez pas les autorisations, il n'y a pas d'assurance. Désolé, monsieur dame, mais là, s'il y a le moindre coup de couteau qui sort ou quoi, c'est moi qui ai les problèmes. Et tu le sais en plus. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben ça va, tu crois pas que je vais me laisser emmerder par un mongol en rose et une petite bouffiasse et une petite arabe en plus? Allez, hop! Ouais, ça va, les bonbons du centre-ville, là, je vous connais, hein, les bien pensants. Bon, tous ceux qui faisaient la scène d'ouverture, vous prenez à 2, à 3, un groupe de 15, 16, 17, quelque chose comme ça. Et vous faites, ouais, on peut visiter le théâtre pendant qu'ils vont aérer la salle, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire, dans 30 minutes, on vous rappelle. Ouais, c'est ça, visitez le théâtre. Puis vous laissez l'autre raciste, là, de son côté, hein, l'autre raciste. On n'a pas entendu, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est où là? On n'en parle pas? Enfin, vous allez voir la pièce. Enfin, vous allez faire voir. Si vous pouvez pas rentrer ici. Sauf que, apparemment, il y a le public qui peut rentrer. Avec mes parents pendant les fêtes de famille, toutes les heures j'ai un message pour Où est-ce qu'il est, Elliot? Qu'est-ce qu'il fait, Elliot? Avec qui il est, Elliot? Ah, mais oh. Et toi, tu penses que c'est normal, genre? Ouais. Toi, t'as encore le. C'est pour ça que tu me fais venir? Non, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Ça, je t'explique. Je t'explique parce que c'est en trois mots ce que je vais te dire. Je te quitte. Tu me quittes? Attendez, là, une petite chérie, deux secondes. Et vous sortez ensemble? On sortait ensemble. Oui, Ouais, mais ça veut dire que monsieur, tu sortais avec elle il y a trois jours. Ouais. Bah, à peu près, mais plus trop, pardon.
compliqué. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois même qu'on va pas parler. J'aimerais des explications. Ok. Donc, il y a 3 jours, il y avait une fête chez Italien. Une petite soirée. On était 5 max. Vous inventez des histoires comme quoi je trompe ma meuf. Voilà, elle me quitte, je me prends la honte devant on tout le monde. On a dit la vérité, tu l'as trompé réellement. On était un peu censé être potes. C'est pas ton taxi. Oui. Alex, c'est ça. Alex, c'est ça. Mais pourquoi tu l'embrasses alors si tu sais que c'est... Mais c'est un jeu, c'est pas ma faute. Et puis, ah non, non, c'est un jeu. Un jeu d'embrasser, c'est ça. C'est un jeu d'embrasser, t'as pas tout alors. Mais ça passe pas ça. Mais c'est pas ma faute, c'est pas un jeu, dès lors où tu le regardes bien dans les yeux, tu le fais à l'auche. On avance tout le monde. Alors, est-ce que ça va le public? Passez une bonne journée. Oui. Oui, vous êtes heureux d'être ici? Oui. Même si on n'a pas payé. Bien évidemment, on sait. Alors, moi, je suis vraiment pas heureux que vous soyez ici. Parce que vous m'empêchez de bien faire mon travail. Alors, on va faire un photoshoot magnifique, comme d'habitude. Vous êtes vous-même, vous êtes belles, vous êtes les plus belles. Il faut le montrer aux autres. Vous êtes des sirènes, vous êtes majestueuses, et on fait ça, on est parfait. Ok, vous êtes parfait. Baby, I can't
les filles. Vous étiez beaucoup trop molle. C'est pas ça qu'on veut voir. Là, sur Instagram, tu veux voir, c'est des beaux sommets majestueux qui remontent des plaques d'eau. Ok. Qu'est-ce que vous foutez là? Observe avec tes yeux, il y a une caméra, il y a un décor, il y a des personnes, à ton avis, on va faire quoi? Mais les filles, je vous attendais en face depuis une heure. Moi, je me retrouve ici, j'ai dû vous géolocaliser pour vous retrouver, les filles. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a donné l'autorisation de photographier elle, les filles en fait, je peux savoir. Plaît, non, elles ne peuvent pas vous donner d'autorisation. Elles sont mineures, mes filles. Oh. Ça doit passer par moi, monsieur James. Mais je non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Peut-être qu'il y a un monsieur qui est. Un petit peu de calme, s'il vous plaît. Vous êtes la mère d'une de ces trois petites. Non, je suis la mère de ces trois filles. D'accord, de ces trois merveilles de la nature. Si jeunes et des jolies femmes. Non, c'est pas. Eh oh, c'est pas des femmes, elles sont mineures. Oui, mais écoutez, je ne vois pas. Et moi, je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, moi, je ne suis pas d'accord qu'elles soient sur Internet. Je vous dis, ça c'est clair, vous m'enlevez ces photos. Monsieur, qui est le directeur dans ce théâtre? Le directeur du théâtre est au courant. Alors moi, je. Voilà. Moi, je. Madame, rassurez-vous, ces images ne sont pas destinées au web. J'espère bien. Elles sont destinées au dark web. C'est quoi le dark web? C'est comme l'internet, mais dans la carte. Pour moi, c'est exclu qu'elles aillent sur internet. Maintenant, arrêtez. Il est dégueulasse, ce type. Venez avec moi. Vous restez pas ici. Il est dégueulasse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont. Qui aiment pas trop les trucs bizarres et tout, les trucs qui font un peu peur et tout, et genre qui supportent pas les films d'horreur et des bails comme ça. Tu veux venir avec moi ou tu veux passer par là? Non, je vais passer par là. Ceux qui ont peur, suivez la blonde. Je suis pas blonde. Elle est pas claire. Voilà, merci. Et c'est ce que je vois. Différent, visiblement. Vous voulez jouer avec moi? Mes parents, ils sont pas là. Allez-y, entrez. Bonjour, on est rouge avec vous.
monde vienne. Mais le programmateur, c'est lui. Plus maintenant. Il a été destitué, c'est nous. C'est nous les directeurs. Ça fait combien de temps que ça dure, ça? La prise... sa détention. Prise d'otage. C'est un CDI enchaîné, quoi. Détention. Elle est... adieu depuis le début de la soirée. Pourquoi vous voulez voir un adulte qui se fasse quoi? Mais parce que est-ce qu'il a dit qu'on n'était pas responsable? Voilà. Oui. Vous l'avez pensé tellement fort. Vous l'avez pensé tellement fort. Ok, alors on peut entendre de vous. Non, en fait, c'est juste, je voulais amener ma petite cousine demain, et puis j'ai vu qu'il y avait ce truc en bas qui fait quand même assez peur pour les petits. Et du coup, voilà, je me suis juste demandé si les ados qui étaient là, vous étiez encadrés ou pas, ou c'était juste un spectacle. On est encadrés par nous-mêmes, justement. On n'a pas besoin d'adultes. Pourquoi on est là? Mais nous, on peut être responsable aussi. Hein. Vous, les adultes, déjà, vous avez détruit la planète avec la pollution, le racisme, le capitalisme. Wouhou, la cigarette. Et la bière. Et la bière. Voilà, merci. Et la bière. Et la bière. Et la bière. Et la bière. Et la drogue. J'avais dit la drogue de la bière. Non, moi, j'ai dit que ça va bourrer. C'est pas la même chose. Bah, nous, on n'est pas. Nous, si on est là déjà dans un spectacle comme ça, c'est qu'on a encore un peu un cœur d'enfant, ok? Et moi, si j'organise le truc ici, c'est que j'ai un cœur d'enfant aussi. Ok, alors, là-bas, organiser le truc. En fait, nous, on a préparé un spectacle. Ensuite, lui, avec son concierge, ils ont essayé de nous empêcher de faire la scène. Alors, on a dû le gars raciste. Alors, il n'a pas le laissé. Le mec du début. Ouais, le mec en bleu. J'étais en train de foutre en l'air votre futur avec ça. Non, il dit qu'il est en train de foutre en l'air notre futur. Vous me non, libérez. Non, on libère pas. Non, non, on libère pas. Envoie-moi fait faible. Je crois qu'on va devoir s'occuper de lui. Alors, c'est Je reviens, Thaïs.
Okay.
Oh, feeling, yeah.